there's a fire, burn the fire brigade. Help us, oh, tonight we are losing, losing this fight. Oh, help us, oh, tonight. Yo tout le monde, bienvenue sur le compte de Jérémy66. Eh oui, salut cousin. Du coup, il est chez Dark Genesis, 155 000 de puissance. Il est... Wow, c'est un tirage free to play total. Wow, respect, gros respect. 43 000 gemmes d'économiser. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous a montré dans tout ça? Il y a quand même Mekatessa, Rudolf. Il y a Rose. Il a la chance d'avoir Rose, par contre j'ai pas vu d'Anubis dans son tirage, 43 000 gemmes voilà, qu'il m'a envoyé via WeTransfer. Au passage ta qualité est top, j'ai l'impression que vous verrez pas la différence entre ma qualité et la sienne au niveau de l'image, c'est cool, ça fait plaisir. Paladin, ouais, parce que c'est vrai que tout ça, la qualité, j'y tiens quand même énormément, c'est plus agréable à regarder. Alors, double loup-garou, bon ça va, pour l'instant ça ressemble à des tirages dignes d'un Jérémy, voilà. Atlanticor, oui, d'accord, bon, légendaire commence tout doucement. Et espérons qu'il ait un peu mieux que ça sur la suite. Bon, j'imagine que sa vidéo, elle dure 11 minutes. Vous l'avez pas trop traîné sur le tirage, vu tout ce qu'il y a de gemmes sur le côté. Dryad Shaman, ouais, bon, ça, c'est pas la folie. Oh, une petite... Oh, il a 19 000 gloires, là, c'est ça? Oula, au niveau de la place, il en a largement assez. Il a un coffre de talent 5 de côté aussi. Ouais, 19 000 gloires de côté. Ouh, je suis jaloux. Je suis grave jaloux. Ok. Pixie. Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas fou. Espérons que ce tirage free-to-play sera bien mieux que ça. Druide, voilà. Atlantic Core, Druide, Pixie. Oui. Ouh, Dracax, Barbe Blanche. Bon, il y a Barbe Blanche, au moins il est correct à mon avis, mais je crois qu'il l'avait déjà, mais... Druide. Bon, pour l'instant, c'est pas fou. Voilà, je vois des messages sur le côté. Ok, ingénieur, cyclope, dompteur de bêtes. Allez, on s'échauffe, là, je sens qu'il va être chaud patate. Bourreau... Création. Oh. Bon, moi, c'est à nouveau, il me semble. Oh, bah, vu comment il s'est arrêté sur l'image, c'est à nouveau. Oh, il y a le screenshot. Ok, c'est à nouveau, donc c'est cool. Bon, du coup, il a pas le Volta et compagnie, forcément, vu qu'il est free-to-play. Et ça lui fait un sniper, c'est moitié tank, moitié sniper, donc ça peut être sympa. Si vous êtes... Wow, ninja! Il a dû se dire lui-même, je suis sûr que vous êtes beaucoup à le faire maintenant, là. Ninja! En tout cas, dans les chats, en live, je sais que ça le fait, c'est cool. C'est sympa. Alors, bourreau... Oh! Ouh, Anubis! Anubis, alors là, ça va être triple screenshot, à mon avis. Oh là là, GG, Anubis, free to play, la rose déjà de côté, comme vous avez vu, il y a création Anubis. Ouais, waouh. Et en tout cas, il a la blinde de ressources de côté. Oh, c'est le feu. Ben, comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Bon, il y a certains héros qui sont exceptionnels, qu'on peut pas avoir en free to play. Mais là, déjà, avoir création, Anubis, rose, c'est le feu. Par contre, il me semble qu'il n'a pas Ronin. Non. Oui, mais il aura peut-être par la suite, hein. Oh là, Fou Furieux, là, c'est pas dingue. Et Rempart 2, c'est pas fou non plus. Bon. On verra peut-être plus tard. Je crois qu'il va continuer sur les héros. Voilà, parce qu'il y a un événement recruté et gagné derrière. Voilà, tout à fait. Panda. Bon, déjà, Anubis et création, c'est cool. Je suis content pour lui. Surtout, ça motive les free-to-play. Hein, c'est vraiment... Bon, c'est cool quand même. J'en suis pas spécialement un, mais... c'est cool. On encourage. Allez. Reine Serpent. Allez, un autre Anubis pour son évolution. Ouah, on sait jamais. On sait jamais. Paladin, ouais. Paladin, maintenant, c'est un des héros qui peut aller à 12. Et justement, il y a un commentaire que j'avais lu. Pour mettre au niveau 11, il faut 39 000 gloires, apparemment. C'est ce qu'il m'avait dit. Je n'ai pas le commentaire derrière moi. Et pour passer au niveau 12, il faut 70 000 gloires au total. Ça fait quand même beaucoup, tout ça. Hein. Je sais pas si c'est au total ou si c'est encore en plus 70 000, mais ça fait vraiment beaucoup de gloire tout ça. Hein. On va pas en voir beaucoup des rois 12 sur 12, surtout des paladins. Hein. Tu vas peut-être pas mettre autant de gloire sur le côté, je sais pas. Il y a peut-être un. Il y a peut-être un nouveau mode pour nous faire gagner de la gloire qui est en route. Parce que vous voyez, enfin. Le bélier, ouais. Bon. Vous voyez que les territoires pour les rois qui sont éligibles aux 12 peuvent être élargis. Enfin, il y a des choses qui sont. Oh là 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 là. Encore Anubis! Oh, ça c'est dingue ça par contre. Ça c'est ouf. Oh, il a dû être tellement heureux. Mais par contre, il a repris un screenshot, on va pas voir la différence à mon avis entre les deux. On va dire, oh, ouais, tu m'envoies deux fois le même. Mais non.
Donc ouais, je sais pas pour les gloires, vu qu'on aura de plus en plus de héros 12 sur 12, enfin, à mon avis ça va peut-être pas arriver à chaque mise à jour. Mais à mon avis, il va y avoir d'autres modes hein, pour la gloire. Ou alors le labyrinthe va donner plus de gloire, je sais pas, ou ils vont doubler celles qui sont en duel des squads. Il y aura, à mon avis, il y aura un petit quelque chose à faire. Hein. Là, je sais pas, petit tour sur son hôtel histoire de passer le temps, de c'est peut-être sa technique. Dracax, ah là, celui-là par contre il le donne, hein. Là, c'est le héros légendaire qui est cadeau, tenez, prenez-le, essayez de l'évoluer. Oh, Mekatessa, par contre il l'avait déjà. Bon, même pour un free-to-play, Mekatessa, bon aussi, pareil, il y en a qui sont bien, largement satisfaits de leur Mekatessa. En tout cas, en duel des squads, elle est bien balèze, donc je pense qu'en vrai elle doit être balèze aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Loup-garou, démon de glace, mouais. Voilà, par contre, notre Anubis, ce serait un peu du délire. Il manquerait plus que Ronin, quoi. À mon avis, Ronin, par contre, il l'aurait mis dans les commentaires. Hein. Quand il m'a envoyé la vidéo, là, par WeTransfer, à mon avis, il aurait dit « Ouais, j'ai Ronin !» Et pas toi. Par contre, ouais, c'est ça qui est pas mal. Il y en a un qui m'a refait le coup aussi. « Ouais, je veux pas te dégoûter, mais bon, voilà, tu vois, j'ai Ronin. » Oh, on arrive au bout de ses gemmes. Ah, je dis « Ah, toi, t'as loupé le live de vendredi dernier. Je l'ai aussi. Il est vaut 2, 10 sur 10. Moi Et j'ai enfin suffisamment d'esquive, là j'ai 2850 points d'esquive, donc c'est déjà correct, il manque surtout un attribut, mais bon ça va coûter beaucoup trop de gemmes pour pas grand chose, donc il manque plus qu'un bon clairon je pense. Et en avant toute, oh il est pas loin des 300 crédits, et les 15 quarts d'enchantement c'est quand même cool ça, ça c'est quand même cool, ça coûte super cher aussi. Puis ouais pour Ronin une fois aussi, bah, c'est le brûlure quoi, qu'il va falloir mettre un C4 là, mais... Je sais pas, j'ai des cartes de talent de côté, quelques-unes, là 6, 7, donc je les garde pour mes quêtes, pour gagner un peu plus de gemmes, etc. Donc j'ose pas tout cramer pour faire un peu de tirage comme ça. 1800 gemmes, c'est reparti. Ok, allez, on y croit, tout est bon. Allez, un dernier gros légendaire pour la fin, non, Snozilla, non, j'aurais cru Wendigo, allez, à la limite, on serait dans le thème de Noël. Oh, les doubles verts, ça c'est moyen quand même. Hein. Oh, il reste 89 gemmes, il va aller chercher les... Je sais pas, c'est encore 15 000 gemmes quand même qui est de côté. Il y a de quoi faire hein, quand même avec les recrutés gagnés, surtout quand t'as le courage d'économiser autant. Bon, quand je vois la vitesse où ça monte avec les quêtes et compagnie, c'est peut-être faisable, mais bon. Hein. 12 000 gemmes. Ah non, c'est 12 000 gemmes maintenant. Ça a réduit, ça. C'est quoi cette affaire, là? J'ai pas suivi tout ça. Comment ça se fait? Recruter et gagner. Il a dû se dire, wow, comment ça se fait que j'ai toujours pas reçu mes gemmes, là? Loi dingue. Loi dingue. Seul côté, 12 000 gemmes, si il a cliqué. Il y a des moments, ouais, c'est super long à arriver, c'est quand même abusé. Si j'avais su, j'aurais coupé ce passage. Comme quoi, j'avais pas vu le tirage à l'avance. Hein. Là, sinon, j'aurais coupé. Bon, pour maintenant, je vais le laisser couler. Je vois que la vidéo, il y a une petite coupure après, donc peut-être c'est ça qu'il attendait. Bon, au pire, c'est pareil. Moi, je vais faire une petite coupure pendant ce temps-là. Ah non, ça y est, il les a reçus. Cool. Allez, on ne se quitte pas, on enchaîne directement. Et là, ouh, il avait freeze pendant un moment, il a dû mettre stop et recommencer. Ok, démon de glace. Et les choses au tirage, il s'est senti bien chanceux avec le création et double Anubis quand même. Double Anubis dans un free tirage, c'est pas mal. Bon, de mon côté aussi, hein, c'était dans des tirages, dans des gemmes économisées que j'en ai eu deux. Je crois que le troisième, c'était pas sur des économisés, mais comme quoi, tout est possible. Alors par contre, il va sûrement se garder un peu de gemmes pour faire du tirage talent. Enfin, c'est ce que j'aurais fait de mon côté. Oula, ça, une petite machine de freeze un peu. Je crois que d'avoir mis en haute qualité, là, ça a commencé à chauffer la machine. Alors, le fou furieux, oui, il serait bien de partir sur un dieu de la guerre, rempart, quelque chose comme ça. Bon, il y en a qui sont fans du pot de pierre, moi, tant qu'à faire un rempart. Hein, histoire comme ça, ça rajoute quand même de la vie, du dégât. Alors par contre je vois qu'il ne reste plus que 2 minutes de vidéo, que vas-tu faire? Vas-tu faire rapidement du talent ou tu vas laisser tomber? Non, il continue sur des héros, il est chaud patate, il est chaud, ne l'arrête plus. Peut-être une dernière nouveauté, Barbe Blanche, on l'a vu déjà tout au début. Ok. Et pas de Ronin, hein. C'est quand même fou ce héros, il a quand même du mal à sortir en général sur les comptes. Hein.
Bon, il y en a pour certains, non, ça vient à l'appel, mais je trouve que d'une manière générale, il est compliqué, un peu comme Rose Anubis, quoi. C'est vrai qu'il y a peut-être des héros qui sont bien, bien plus bas en taux de probabilité de pouvoir tomber. Allez! Oh, 2700 gemmes. Non, il va s'arrêter quand même, qu'est-ce qu'il fait là? Il sait pas trop, qu'est-ce que je fais? Non, si, continue! Ah, le druide. Bon. Ouais. C'est pas fameux, hein. Ah oui, mais il a un coffre de talent 5 de côté, c'est pour ça qu'il continue aussi. Roi fantôme. Ah, le pouvoir l'avoir évolué, lui, ce serait cool. Enfin, au niveau du skin, il est bien stylé, il gagne beaucoup de vie. Ouais, 450, il s'est totalement ruiné en gemmes. Ah ouais, même si pour sa quête, il va être embêté, parce que du coup, il pourra pas recruter un héros par 150, s'il faut. Ouais, il était chaud bouillant, lui, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Bon, par contre, je vois qu'on arrive à la fin. Il va peut-être pas faire de coffre de talent 5. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se dit à très vite pour une autre. Ce soir, peut-être live sur Fortnite, vu que je suis en repos demain. Je suis bien claqué, mais bon, ça va sûrement arriver. En tout cas, si vous avez des tirages et que je suis pas dispo, n'hésitez pas à les envoyer par WeTransfer. Et je vois quand est-ce que je peux commenter ça. Allez, tchuss !